Avant la guerre, j'étais un jeune militaire de carrière idéaliste. L'honneur, la tradition, la patrie, j'y croyais à tout ça. Pourquoi il aboie comme ça, ce chien? C'est le chien du détenu, mon commandant. Allez, debout, Barlac! Je suis le chef d'escadron Lantier du Grèce, chargé de juger notre affaire. Je ne comprends pas qu'un type qui a reçu la Légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qu'il vous a reproché aujourd'hui. J'imagine que vous étiez ivre. Je n'étais pas saoul et je regrette rien. Et personne n'obligera à m'excuser. Vous le connaissiez, vous, ce Morlac, avant son coup d'éclat? Un drôle de type. Quand je l'ai vu passer le 14 juillet avec son chien, j'étais loin de me douter de la suite. Vous avez créé avec cette bête une relation de compagnon d'armes. Ouais. Je veux pas que vous écriviez ça, c'est faux! Ce que j'ai fait, c'est contre les profiteurs qui envoient les autres se faire tuer à leur place! Lâchez-le! Pour ça, il faudrait qu'il s'excuse. Et il refuse. D'insulter la nation, c'est inacceptable. Je vais beaucoup trop donner à la nation. On dirait qu'il s'obstine à vouloir être condamné. Je vous en supplie, monsieur. Dites-lui qu'il revienne, son fils et moi, on l'attend. L'héroïsme, la bravoure, le patriotisme. Il y a encore des malheureux qui croient en ces conneries. La justice est là pour protéger la société. La protéger de qui? Qui est coupable? Qui est innocent? Si on condamne ce gars-là, ce serait une grande injustice. Vous savez de quoi on l'accuse? Allez-y, fusillez-moi. Feu! C'est à la guerre que les hommes montrent leur vraie nature. Tout s'est passé le 14 juillet 1919 sur la Grande Place. Tu veux qu'il sorte, tu lui fais comprendre qu'il doit s'excuser. Ah, et puis comme ça, vous repartirez ensemble.